C'est bon, tout le monde est là? Oui. Donc, bonjour, je me présente, Muntaga Tal. Je serai votre collaborateur dans cette classe de la langue arabe. Et j'ai dit collaborateur puisque je ne suis pas un maître dans la langue arabe. Je suis un élève fervent comme vous, peut-être un élève en classe supérieure, mais un élève néanmoins. Donc, j'essaie d'enseigner la langue puisque il y a un de mes profs à la fac m'avait dit que la meilleure façon de maîtriser quelque chose, c'est de l'enseigner. Donc, je vous invite tous à essayer cette même méthode. Donc, tout ce que vous apprendrez dans cette classe, essayez de l'enseigner à quelqu'un, soit votre frère, votre sœur, vos parents, vos amis, vos camarades de classe. Et si vous ne trouvez personne, essayez de l'enseigner à vous-même, devant un miroir, ou bien peut-être même dans vos applications comme les Snapchat ou bien les WhatsApp. Mais essayez de l'enseigner à quelqu'un néanmoins. Et en faisant ça, je pense que vous allez maîtriser les leçons plus que la normale. En ce qui concerne la méthode Soft Learning Center, ce sera une méthode qui sera basée dans la pratique. Donc la pratique, en plus de ça aussi, il y aura beaucoup de lectures, puisque je pense que c'est avec la lecture à haute voix, que vous pourriez vous améliorer vos prononciations, améliorer votre écoute, puisque avec la lecture, il y a l'écoute et il y a aussi ce qu'on appelle, il y a aussi la mémorisation des mots, il y a aussi la pratique en elle-même. Donc, ce sera quelque chose de récurrent. Je vais vous demander de lire de temps à autre pour voir si vous comprenez la leçon, si vous parlez comme quelqu'un qui maîtrise la langue. Puisqu'il y a une différence entre parler comme quelqu'un qui maîtrise et parler en tant que une seconde langue. Donc, des fois, quand on écoute quelqu'un, automatiquement, on comprend que cette personne ne maîtrise pas la langue. Donc, ce sera la méthode qu'on va adapter. Et Inch'Allah, ce sera une bonne méthode. Donc, on va débuter par une lecture. Aujourd'hui, la leçon, ce sera dans ce qu'on appelle le harf al, le mot al. Vous voyez tous mon écran? Oui. Oui. Okay. Donc, qui peut me dire ce que signifie al en arabe? Le. Bon. Ou? Ou bien? Ou la. Ou la, oui, voilà. Ou les aussi. Donc, pourquoi al? Al, j'ai pris al, la liaison avec le ou la ou les, ce qui est al. Donc, par exemple, en français, quand je dis je parle avec mon ami, automatiquement, on dit cette personne, elle a la maîtrise de la langue. Mais quand je dis je parle avec mon ami, là, on sait que ce n'est pas quelque chose de normal. On ne dit pas « mon ami ». Bien vrai que c'est un mot exact, mais on dit « mon ami ». Donc, de la même manière, en arabe, on a ce qu'on appelle la liaison aussi. Et avec « al », c'est quelque chose de vraiment très récurrent en arabe et de subtil. Donc, il faut savoir prononcer les mots et savoir quand mettre la liaison et quand ne pas mettre la liaison. Qui peut me lire le mot stylo en arabe? Moi. Mais vas-y. Al-qalam. Bien. Donc,
Al-Qalamu, on voit que là, on prononce le alif et le lam. Donc, on dit Al-Qalamu. Parce qu'il y a, il n'y a pas, il n'y a rien avant le mot Al-Qalam. Il n'y a rien qui précède ce mot. Et là, qui peut me lire ceci? Moi. Vas-y. Ma al arnabi. Voilà. Là, si tu vois, il y a une légère hésitation. Normalement, ça se lit ma'al arnabi. Ma'al arnabi. Donc là, tu mets la liaison ma'al arnabi. Donc, s'il y a quelque chose là, là s'il y a quelque chose qui précède le mot et ce mot a l'article alif lam, ça se donc on utilise la liaison. Donc on dit ma'al arnabi, ma'al arnabi, ma'al qalami, ma'allah. Donc si on voit bien, on ne lit pas le alif comme l'avait lu Fadima il y a un instant. Elle avait dit al qalamu. Mais là, elle dit, mais là, on dit ma'al arnabi ou ma'al qalam. Donc, on ne dit pas l'alif. Vous voyez? Ok. Oui. Oui. Est-ce qu'on a un volontaire pour nous lire le texte suivant? Ouais. Yaktub Ahmad Darsahu. تقرأ زينب يذهب أسعد معك يحضر أنور ألعب مع أنور وأحمد القرد يلعب الجمل يردع. Bien. Donc ici on lit l'alif, comme vous voyez. Continue. يلعب يلعب القرد. Yal'abul qirdu. Donc, ici, au lieu de mettre A à la fin, on met U. Puisque ça finit par U, donc on dit yal'abul qirdu. On ne dit pas yal'abu al qirdu. Ça se dit, mais ça réduit la langue un peu. Donc, les Arabes, quand ils parlent couramment, ils disent yal'abul qirdu. Ils ne disent pas yal'abu al qirdu. Donc, c'est ça la liaison. C'est de la même manière en français. Donc, vas-y, continue. Yarda'u al-jamal. Yal'abu al-walad. Yurfa'u al-alam. Al-bintu tahlubu al-baqara. Ici, pourquoi tu as dit al-bintu? Parce que ça commence avec al. Il n'y a rien qui précède le mot. Voilà. Continue. Al-kalbu yahrusu al-ghanam. Al-jamalu yahmilu al-hataba. Al-waladu yaqtufu al-warda. Bien. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Pas vraiment. Ok, il n'y a pas de problème. Avec le temps, Inch'Allah, ça va venir. Un autre volontaire? Moi. Vas-y. Ahmadou, yal'abu ma'al kalbi. Wa Zainabu, tal'abu ma'al arnabi. الأرنب يقفز فوق الحبل وأحمد يقفز خلف الأرنب وزينب تنظر إليه وتضحك تنظر بفعل سبع وتضحك continue. Où ça?
Bien, c'est fini. C'est bon, c'est bon. Et un autre volontaire? Man yaktubu? Ahmed yaktubu? Wa man taqra'u? Zainab taqra'u? Ahmed yaktubu d-dars? Ba'da an yaqra'ahu? Fayumsiku al-qalama? Et on dit pas, on met la liaison. On dit Fayum sekul kalama. Fayum sekul kalama. On met la liaison. Fayum sekul kalama. Biadihi. Wayaktubu. Bihi. Fauka. Faukal. Warq. Faukal. Warq. Wabada. أن يفرغ فوق الورق ويكتب به فوق الورق ويكتب به فوق الورق وبعد أن يفرغ يلعب مع أخته رينب بكرته. ممتاز ممتاز أحسنت. Donc si vous voyez bien, il y a une différence entre lire avec la liaison et lire sans la liaison. Donc ici par exemple, أحمد يلعب بكرته مع أخته زينب. بعد أن يقرأ درسه ويكتبه بقلمه أحمد يضرب الكرة. Donc on met la liaison, on ne dit pas أحمد يضرب الكرة. On dit Ahmadu yadribu al-kurata biyadihi aw rijlihi wa yadhhabu 'inda ukhtihi Zainab wa Zainab talqafu al-kurata. La liaison aussi, on dit pas talqafu al-kurata, ça c'est dit, mais les Arabes qui parlent couramment, et on essaie de parler couramment l'arabe, donc on essaie de parler comme eux, donc on dit talqafu al-kurata qabla an taqa. Donc ici Ahmed joue au ballon avec sa sœur Zainab après avoir lu sa leçon, et il écrit au bic. Ahmed yadrib al-kura bi yadihi. Ahmed frappe le ballon avec sa main ou ses pieds. Ou son pied, le ballon part au niveau de sa sœur Zainab. Zainab talqafu al-kurata. Zainab attrape le ballon avant que ça tombe. Donc ça, c'était la première partie de la liaison. Maintenant, on va entamer la deuxième partie, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe Al-Shamsi ou Al-Qamari. Quelqu'un connaît ce que ça signifie? Quelqu'un? Donc, oui, Hadi? Ok. Donc, Al-Shamsi ou Al-Qamari. C'est facile de comprendre. Donc, des fois, on dit, par exemple, littéralement, ça se traduit une lettre, des lettres lunaires ou bien des lettres solaires. Al-Shamsi, c'est les lettres lunaires. Et Al-Qamari, c'est les lettres... Al-Shamsi, c'est les lettres solaires et Al-Qamari, c'est les lettres lunaires. Al-Shams, Al-Qamar. Shams veut dire en arabe le soleil. Et Al-Qamar veut dire la lune. Donc, qu'est-ce que ça signifie de manière pratique? Quand je dis Ash-Shams, est-ce que je prononce la lame ou non? Quelqu'un? Quand je dis Ash-Shams, non, je ne prononce pas la al. Mais quand je dis Al-Qamar, est-ce que je prononce la lame ou non?
Oui. Oui. Voilà. Donc, en arabe, il y a des mots dont on prononce le lam et d'autres mots dont on ne prononce pas le lam. Et ça, ça revient à la liaison, à comprendre comment faire la liaison entre l'alif lam et le mot et la phrase de manière plus complète. Quand il y a un shadda, on utilise ce qu'on appelle al-shamsi avec un shadda. Vous comprenez? Oui. Ok. Donc, par exemple, quand on dit al-ab, ce qui veut dire le père, al-ab, il n'y a pas de shadda. On dit al-ab. Ou bien, mais avec un shadda, par exemple, ash-shams. Shams, il y a un shadda. Donc, on dit ash-shams. Jawab, ce qui veut dire réponse, il n'y a pas de shadda. On dit al-jawab. Al-kitab. Rajul, ar-rajul, il y a un shadda. Donc, on dit ar-rajul. On ne dit pas al-rajul, bon, mais on dit ar-rajul. Vous comprenez? Ouais. Oui. Oui. Donc, voici la règle. Après, je vais vous envoyer le document pour que vous puissiez regarder de manière plus détaillée. Donc, ici, par exemple, Shamsun. On dit Ash-Shams. Donc, en arabe, il y a soit, quand il y a un sukun, un tanwin. Vous connaissez ce que ça veut dire, tanwin? Non. Tanwin, ça veut dire quand il y a le son noun à la fin. Donc, quand je dis shamsu, mais je dis shamsun. Le son noun à la fin, c'est ce que ça veut dire tanwin. Donc, c'est deux dhammas qui sont là-bas. Donc, shamsun, tamrun. Donc, il y a toujours le son noun à la fin. Donc, c'est ça, tanwin. Vous comprenez maintenant? Oui, voilà. Merci. Okay. Donc, quand il y a un tanwin, toujours ça équivaut à un nom ou bien à un mot qui est non défini. Ce qui veut dire que ça peut être, ça ne peut pas avoir le. Donc, ce qui équivaut en français, Shamsun équivaut un soleil. Tamrun, c'est une date. Ash-Shams, c'est le soleil. At-Tamr, c'est la date. Vous voyez? Donc, avec Alif Lam, ça devient défini. Et quand c'est avec un tanwin, c'est indéfini. Vous comprenez? Oui. Oui. Ok. Oui. Donc, avec Alif Lam, ici on dit Ash-Shams, At-Tamr, Az-Zahra. Je ne dis pas Al-Zahra, mais je dis Az-Zahra, Al-Saqr, Al-Shajar, Al-Tufah. Donc, ceux-ci sont appelés Al-Shamsi, Al-Shamsi. Parce qu'on ne prononce pas le lam. Quelqu'un peut me dire ces mots? Ouais. Shamsun, Tamrun. Juste, il faut juste lire les noms définis. Donc, Ash-Shams, At-Tamr. Ash-Shams, At-Tamr, Az-Zahra, As-Saqru, Ash-Shajar, At-Tufah, Ash-Shamr, Ad-Dal, Ad-Dhahab, Ar-Rumman, As-Sa'd, As-Sidq, الطير الزهر اللبن النهر continue je veux pas voir
الصقر. Non, non, il faut lire Dara. 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 الصقر. Non, on n'avait pas appris cela. Il faut faire la liaison. Dara al-Sakru. Merci. Fadan Nabil. Fadan Nil. Fadan Nil. Harath al-Ardu. Ard. Badar al-Hab. Hasad al-Zar'a. Je continue. Oui, continue. نأخذ الحرير من دود القذ. نستخرج المعادن من بطن الأرض. نصنع الجبن من لين الغنم والبقر. لبن الغنم والبقر. من لبن الغنم والبقر. Très bien. Ahsant, Mumtaz. Quelqu'un d'autre? Oui. Vas-y. Hayawan kabirul kabirul jism. Donc ici al jism, ici c'est al shamsi ou bien c'est al qamari? Al qamari. Pourquoi? Oh, Al-Shamsi, Al-Shamsi. Ah, Al-Qamari, Al-Qamari. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shad. Et parce que quand on prononce le lam avec. Donc, on dit Al-Jism, on ne dit pas Al-Jism. Bon, on dit Al-Jism. Continue. Tawilu al-Dayli, Sari'un. Et c'est Al-Qamari ou bien Al-Shamsi? Al-Shamsi. Bien. Ah? Très bien, continue. Sari'ul adwi. Anwa'uhu kathiratun. Wa manafi'uhu azimatun. Yustakhdamu fir-rukubi. Wajarvil arabati wamin jildihi tusna'un ni'alu wamin sha'rihil awtaru wamin hawafirihi firihil ghirau. Bien, très bien. Fatima, tu peux lire? أن البقر البقرة كبيرة الجسم البقرة كبيرة الجسم البقرة كبيرة الجسم كثيرة نفع النفع ici c'est الشمس ou bien c'est القمر الشمس. Pourquoi? Parce qu'il y a le shadda. Bien, très bien. Continue. Nahlubu minha an alban. Nahlubu minha labana. Nahlubu minha labana. Nahlubu minha labana. Linash. لنشربه ونعمل منه الجبن والزبدة ونستخدمها ونستخدمها في حرث الأرض. La liaison avec la liaison. ونستخدمها في حرث الأرض. Très bien. وثقيل
وسقي نباتي. La liaison. وسقي النبات. وسقي النبات نباتي. Donc la liaison toujours le dernier mot ou bien la dernière lettre. On utilise cette même lettre pour faire la liaison. Donc on ne dit pas wasaqiyi an-nabat, non, on dit wasaqiyi an-nabati. Donc yin-nabati, si c'était où, on allait dire wasaqiyi an-nabati. Si c'était A, on allait dire wasaqiyi an-nabati. Vous voyez? Continue. Oui. Wasaqiyi an-nabati wa darsul hasad. Abahd wa darsul hasadi. Wa darsul hasadi. وطحن الحب ونعمل من جلدها الأحزاب. La liaison, c'est là toujours la liaison qui manque. ونعمل من الجلد هل من الجلد هل جلدها من جلدها الحذية من جلدها الأحذية ونعمل من جلدها الأحذية. Donc on met la liaison. ونعمل من جلدها الأحذية. Exercer encore un peu avec la ça va pas être facile, mais avec le temps et avec les lectures, tout cela va venir. Donc je vais vous donner le document pour que vous exerciez avec l'exercice 55 et 56. Et avec ça, il faut répéter encore et encore pour que ça soit une lecture vraiment fluide. Donc ici, par exemple, donc avec le temps, ça va venir. Vous n'auriez pas à avoir à mémoriser ou bien à répéter. Vous pourriez juste prendre exercice 57 dans le jardin et dire « Hayya bina, hayya bina, nal'abu fil bustani najri ala hasha'ishin mukhdaratil alwani fanajtani l'azhara. » Donc ici, al-azhara, c'est un al-shamsi ou bien al-qamari. Al-qamari. Al-qamari, oui. Min wardin wa min rayhanin wa naqtufu al-athmari min khawkhin wa min rummanin naqdi faragh al-waqti fi riyadati al-abdani thumma na'udu ba'daha lil-ilmi wal-irfan. Donc, je vais vous laisser avec ces exercices. J'espère que vous avez compris la leçon et l'importance de la liaison. Et comme je vous avais expliqué au début, on ne dit pas « je vais avec mon ami », mais on dit « avec mon ami ». Donc quand je dis « je vais avec mon ami », peut-être que les gens vont rire de moi. Parce que juste avec quelque chose d'aussi simple que la liaison, ça change beaucoup. Donc j'espère que vous avez compris la leçon. Et s'il y a des questions, je suis prêt. Sinon, je vais vous dire. Allez, vas-y. Il y a des questions? Non, merci. Merci à vous. Donc, on va essayer de reprogrammer la prochaine leçon pour dire comment vous trouvez les exercices, et s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Et avec ceci, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ila al-liqa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.